et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Mes ressources sont limitées, mais je vous aiderai de mon mieux. Espèce de sale pickpocket! Comment osez-vous me voler? Reposez ça tout de suite, sale crapule! À l'aide! Vite! On a un voleur! Halte! Au voleur! Voleur, vous ne vous en tirerez pas comme ça! C'est fini, hors-la-loi. Vos méfaits sont terminés. Je vais saisir vos marchandises volées. Pas un pas de plus, vermine. Personne n'enfreindra la loi sous mes yeux. Je confisque vos marchandises volées. Payez votre amende si vous ne voulez pas aller en prison. Alors, vous paierez de votre sang. Halte ! Vous avez enfreint la loi. Payez l'amende au tribunal ou purgez votre peine. Les biens que vous avez volés vous sont confisqués. Pas un pas de plus, vermine. Personne n'enfreindra la loi sous mes yeux. Je confisque vos marchandises volées. Payez votre amende si vous ne voulez pas aller en prison. Vous êtes pathétique. Vous auriez dû payer l'amende. Meurs, vermine. Vous osez vous opposer à une puissante légion impériale? Vous osez enfreindre la loi sous mes yeux? Je confisque vos marchandises volées. Et vous n'avez pas d'argent. Au cachot, alors! Eh bien, qu'avons-nous donc là, hein? Pris la main dans le sac et sans le sou, hein? Je confisque vos marchandises volées. La prison vous attend. Halte! Vous avez enfreint la loi. Comme vous n'avez pas les moyens de payer la somme exigée par le tribunal, vous n'avez d'autre choix que de purger votre peine. Les biens que vous avez volés vous sont confisqués. J'espère que vous pourrirez en prison, sale racaille. Vous dormez bien profondément pour un meurtrier. C'est bien. Ah, ça fait du bien de voir de tels vieux et faibles. Loué soit notre mère impie. Eh bien, qu'avons-nous donc là, hein, sale racaille? Comptez des crabes de vase plus redoutables que vous. Vous osez enfreindre la loi sous mes yeux? Bonjour. Moi, je me nomme Falanou, de la maison Lalou. Comme si cela avait la moindre importance ici. Au fait, savez-vous à combien se monte l'amende en cas de pratique de la nécrophilie ici, à Cyrodiil? C'est juste pour savoir. Partons du principe que c'est non. Ce n'est rien comparé à Morrowind, merci. Oui, c'est très bien. J'aime la nécrophilie. Prenez soin de vous. Reposez ça tout de suite, sale crap! Pas un pas de plus, vermine! Halte! Au voleur! Garde! Voleur! Vous ne vous en tirerez pas comme ça! À l'aide! Vite! On a un voleur! Espèce de sale pickpocket! Comment osez-vous me voler? Reposez ça tout de suite, sale crapule!
Qu'y a-t-il ? Bienvenue chez les marchands coloviens. Je suis Gunder, un orque majordome. J'aime bien Skingrad. Quelle bouffonnerie ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Salut. Il paraît que les prêtres et prêtresses de la chapelle de Dibella ont été assassinés. Nul ne sait qui a fait ça. Prenez soin de vous. Reposez ça tout de suite, sale crapule ! Espèce de sale pickpocket ! Comment osez-vous me voler ? Halt ! Au voleur ! À l'aide, vite ! On a un voleur ! Else aïe Dieu ! Oui, je déteste les dieux ! Tous, jusqu'au dernier ! En ce qui me concerne, ils peuvent tous aller se faire voir ailleurs ! C'est stupide ! Et les chapelles aussi sont stupides ! Sans oublier les prêtres et les gens qui passent leur temps à ramper devant les dieux, bien sûr ! Adieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Demandez-le-moi ! Bienvenue à l'Anus du Veld Occidental. Je suis l'Anus des lieux. Ah, ces monstres, je les hais. Je n'ai plus rien à vous dire. Puisse le vent vous pousser de l'avant. J'adore passer devant la boulangerie de Salmo. Au revoir. Adieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Garde ! Garde ! On me dépouille ! Que puis-je pour vous ? Vous m'apportez de la Nirnroot ? Il y a quelques années, un aventurier tel que vous m'a vendu un vieux livre poussiéreux. Une de ses pages proposait la recette d'une potion appelée Nirnroot. La formule avait l'air de marcher, mais elle nécessitait un ingrédient d'une grande rareté. Vous l'avez deviné, l'élixir d'exploration, contenant de nombreuses formules alchimiques. La plupart étaient sans le moindre intérêt. Vous n'en avez pas encore vu ? Bonne chance et Il est 1h de l'après-midi et tout va bien. J'espère que vous allez bien, monsieur. N'oubliez pas que le fait de pénétrer dans le palais impérial sans autorisation constitue un crime grave. Ne vous aventurez pas au-delà des 2 premiers étages. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Excusez-moi. Mais l'Empire ne se gouverne pas tout seul, vous savez. Transmettez une plainte au service concerné, et je suis sûr que quelqu'un s'en chargera. Excusez-moi. Sale voleur à la tire ! Qu'est-ce que vous avez pris ? Garde ! Garde ! Ce sale pickpocket m'a tout volé ! Prenez ça. C'est de la part d'une amie. Je n'ai pas le temps de parler. Que puis-je pour vous ? Des choses terribles se sont produites à la chapelle d'Anneville. Tous les prêtres et prêtresses de Dibella ont été assassinés. Non. Au revoir. Vous aussi. Non. C'est fini, hors la loi. Vos méfaits sont terminés. Je vais saisir vos marchandises volées. Ensuite, c'est à vous de choisir, l'amende ou la prison. Alors vous paierez de votre sang. Pas un pas de plus, vermine. Personne n'enfreindra la loi sous mes yeux. Je confisque vos marchandises volées. Payez votre amende si vous ne voulez pas aller en prison. J'espère que vous pourrirez en prison, sale racaille. Dommage. J'espérais que vous résisteriez. Très bien. Voici ce qui va se passer. Nous allons aller au château, là-bas on vous fouillera et vos marchandises volées seront confisquées. Ensuite, si vous payez votre amende, vous serez libre. Bonjour. Comment ça va ?
Ok, au revoir. Alors. Il y a un psychopathe en liberté. Allons, pas la peine d'avoir recours à la violence. À l'aide, on m'attaque! Par les neuf divins, on m'agresse! Espèce de sale pickpocket, comment osez-vous me voler? Halt! Au voleur! Reposez ça tout de suite, sale crapule! Halt! Vous avez enfreint la loi. Comme vous n'avez pas les moyens de payer la somme exigée par le tribunal, vous n'avez d'autre choix que de purger votre peine. Les biens que vous avez volés vous sont confisqués. Vous osez enfreindre la loi sous mes yeux? Je confisque vos marchandises volées. Et vous n'avez pas d'argent? Au cachot, alors! Eh bien, qu'avons-nous donc là? Pris la main dans le sac et sans le sou, je confisque vos marchandises volées. La prison vous attend. Bonne chance.